Pendant longtemps, j'ai regardé le ciel sans vraiment l'observer, sans jamais comprendre que certaines étoiles n'en étaient pas ou n'en étaient déjà plus. Je reste fasciné par le fait que certaines d'entre elles sont mortes depuis des milliers d'années et que leur brillance nous fasse aujourd'hui encore rêver à d'autres mondes que le nôtre. Souvent, cela m'a permis de me remettre à ma place, dans ma petite vie de terrien, à relativiser, me resituer sur ma personne et le but que je donne à mon existence. Dans cette petite infinité dans laquelle nous vivons tous, car oui, nous sommes infiniment petits. C'est dingue comme finalement les croyances et la science s'expliquent parfois aussi à travers les constats dans notre environnement stellaire et interstellaire, cette dégénérescence, cette redistribution de matière, cette mort, sert toujours à quelque chose et peut rester visible durant des millénaires. C'est sous les conseils d'un ami qui ne me connaît pas, que j'ai appris à lever les yeux au ciel. J'ai ainsi appris qu'une étoile, que j'avais décidé de nommer Papa lorsque j'avais 11 ans, était en fait une toute petite planète, d'une taille ridicule, semblant insignifiante, nommée Mercure. Aujourd'hui, quand je l'observe, et que je pense à tout ça, l'espace, la vie, la Terre, les petits problèmes d'humains, j'ai toujours en moi ce besoin de réconfort, cette envie de la toucher du doigt. À peine plus grande que la Lune, la planète Mercure est la plus petite du système solaire, 20 fois moins massive que la Terre. On a souvent du mal à se représenter la taille et l'espace séparant les planètes de notre étoile. Voici de quoi se remettre en perspective. Le diamètre du Soleil est de 1 400 000 km, celui de Mercure est de 4 900 km environ, 286 fois moins. C'est aussi la plus proche du Soleil, puisqu'elle gravite seulement à 0,4 unités astronomiques de notre étoile, soit environ un tiers de la distance Terre-Soleil. Bien qu'elle soit très proche du Soleil, avec 180 degrés Celsius en moyenne en surface, Mercure ne détient pas le record des températures les plus élevées des planètes de notre système. À la surface de Mercure, quasiment dépourvu d'atmosphère, la lumière du Soleil est 7 fois plus brillante et intense que sur Terre. Et notre étoile apparaît 3 fois plus grande dans le ciel pour un observateur. Par ailleurs, Mercure est la planète la plus rapide du système solaire, car à 47 km par seconde, seulement 88 jours lui suffisent pour faire le tour du Soleil. Comme Vénus, la Terre et Mars, Mercure est une planète tellurique, composée d'un noyau, d'un manteau et d'une croûte. Après la Terre, elle est la seconde planète la plus dense, de par son imposant noyau métallique de fer et de nickel, partiellement liquide, de plus de 2000 km de rayon.
Il représente environ 85% du rayon de la planète et plus de 40% de son volume. Le manteau et la croûte ne représentent donc que 400 km d'épaisseur. En l'absence d'atmosphère, il n'y a rien pour arrêter d'éventuels astéroïdes. La surface de Mercure est donc riche en cratères, globalement similaires à la face cachée de la Lune. Petite originalité, les éléments remarquables à la surface de Mercure portent des noms d'artistes, de musiciens et d'auteurs célèbres. De grands bassins d'impact comme Colaris, d'une taille de 1550 km de diamètre, ou Rachmaninov, d'une taille de 306 km de diamètre, ont été engendrés par des impacts d'astéroïdes peu après la naissance du système solaire. Des falaises de plusieurs centaines de kilomètres de hauteur, formées à la suite du refroidissement et de la contraction de l'intérieur de la planète après sa formation, ponctuaient également le paysage. D'autre part, Mercure possédait de la glace d'eau à ses pôles nord et sud, dans les zones en permanence dans l'ombre. Mercure apparaît brun grisé en couleur naturelle. À de nombreux endroits, on peut distinguer des stries plus claires. Elles ont été formées lors d'impacts d'astéroïdes, par éjection autour des cratères principaux de matériaux plus réfléchissants que la surface. Outre les cratères et les escarpements, la surface de Mercure est ponctuée de grandes étendues lisses. D'une part, ces plaines ont pu se former à partir de retombées de poussière et de fragments du sol, éjectés lors de gros impacts de météorites, mais d'autre part, il est possible qu'elles proviennent de coulées de lave, ce qui serait la preuve d'une activité volcanique sur Mercure. Les étendues régulières se distinguent des plaines non lisses, non seulement par leurs aspects, mais aussi par leur composition, faisant intervenir des matériaux issus de l'intérieur de la planète. Le cratère de Kuiper, en jaune vif en bas à droite de cette image, se compose par exemple de matériaux provenant de l'intérieur de la planète. En orange vif sont représentées les zones constituées de matériaux anciens appartenant à la croûte, tandis qu'une coulée de lave serait identifiable en orange foncé en bas à gauche de cette image. Les éruptions volcaniques qui auraient conduit à la création des plaines lisses ont notamment pu être causées par l'impact d'astéroïdes. La collision avec un corps d'environ 150 km de diamètre qui a donné naissance au bassin Caloris pourrait notamment avoir contribué à ce phénomène. Du fait de sa proximité avec le Soleil et sa vitesse, Mercure ne se laisse pas facilement étudier. Atteindre Mercure est une opération complexe. La masse du Soleil exerce un effet, un champ de gravité colossal qui rend très difficile l'insertion d'un véhicule spatial sur une orbite stable autour de la planète. Il faut ainsi plus d'énergie pour une mission vers Mercure que vers Pluton. Messenger, aucun rapport avec l'application sociale, est pour rappel une mission de la NASA lancée en 2004. Arrivée à destination en 2011, elle s'est terminée en 2015 avec l'écrasement au sol volontaire de la sonde à court de carburant. Pour la première fois de l'histoire, nous avons une bonne connaissance de Mercure qui révèle une planète fascinante dans notre système solaire. Mercure n'avait été visité que par la sonde Mariner 10 auparavant dans les années 70. De nombreuses questions restent en suspens et la révèle est attendue avec impatience. Ce sera le cas avec la mission Bepi Colombo. Une mission attendue depuis 30 ans par la communauté scientifique française. Pour la petite histoire, elle a survolé la Terre à 12 700 km le 10 avril, en pleine période de confinement. De nombreuses réponses sont espérées. D'où vient Mercure? Comment s'est-elle formée au cours de l'histoire du système solaire? Et surtout, comment elle interagit avec son environnement solaire? On va découvrir des choses sur la physique en général qui vont nous aider à faire progresser nos connaissances. On sait par exemple que l'on détectera du calcium et du sodium, mais on s'attend aussi à observer du magnésium, du potassium et de l'oxygène, dont la présence n'a pas encore été systématiquement confirmée. Si on veut un jour se poser humainement à la surface de Mercure, il faudra se poser à l'endroit où le Soleil se couche ou où il se lève et que la sonde puisse se déplacer avec le Soleil. Car, passer de moins 180 à plus de 450 degrés, personnellement, je ne connais pas de matériaux qui peuvent y résister. Rester en plein jour pendant 88 jours, ou en pleine nuit pendant 88 jours, ça doit aussi être un peu déprimant, ça sera pas facile. Mercure est connu depuis que l'homme s'intéresse au ciel nocturne.
Les premiers à avoir laissé des traces écrites concernant les observations de cette planète datent de 3000 ans avant l'ère chrétienne. Elles ont été laissées par la civilisation sumérienne, qui est la première à avoir inventé l'écriture. Les premiers écrits, plus détaillés sur la planète Mercure, viennent des Babyloniens. Les Grecs, eux, pensaient que Mercure visible avant le lever du soleil et Mercure après le coucher du soleil étaient deux objets distincts. Ils leur ont donné les noms respectifs d'Apollon et de Hermès. Le nom actuel de Mercure vient de la mythologie romaine, il s'agit du messager des dieux, mais aussi du protecteur des commerçants. Le nom vient du fait que Mercure, étant proche du soleil, se déplace rapidement, tel un messager. Si je devais revenir à ce qui a été dit en début de vidéo, peu importe ce qu'est réellement l'étoile que tu observes, une planète, une lumière disparue, que tu la nommes Dieu, Jésus, Allah, par son nom attribué tel que Jupiter ou encore Papa, ne t'empêche pas d'y croire et de continuer à la contempler, à imaginer et de te perdre dans tes pensées. Rappelle-toi que nous sommes infiniment petits face à elle. Que face à cette infinité, on ne peut que se mettre à genoux et le cœur en dessous. Pour ne manquer aucune de mes vidéos, abonne-toi, active la petite cloche pour en être prévenu. Aussi, un petit pouce bleu ou un partage m'aide à mieux être référencé. Et si en prime, tu veux participer à l'avenir de la chaîne, tu peux me soutenir sur Tipeee ou Utip, juste là. Je vous dis à bientôt, certainement à l'épisode suivant. Il y a une remarque qui m'a été beaucoup faite suite à la diffusion du dernier format court de lundi, là, où j'ai recommandé une chaîne qui s'appelle Nicolas M. Et vous avez été nombreux à me dire en commentaire et même en mail, en message, en machin, à me dire dis donc, fais gaffe aux chaînes que tu recommandes, il est un peu complotiste. Alors, du coup, je suis allé voir, et il n'est pas vraiment complotiste, il est un peu plus relativiste. Et par et, je veux dire plutôt, a priori, il l'était, si j'en crois les commentaires que j'ai vu passer. Relativiste, en gros, c'est chacun sa vérité. Sauf que c'est pas vrai, il existe une réalité, peut-être que personne ne la connaît vraiment, mais il y a des gens qui essaient de s'en approcher, mais il en existe une, c'est pas chacun la sienne, ça c'est une rhétorique de hippie. À ce moment-là, bah, je vous laisse seul juge, hein, mais si, a priori, le contenu a l'air à peu près correct, je diffuse. On va pas se mentir, c'était pas ma chaîne préférée. Mais ça me paraissait suffisamment correct pour dire, bon, bah, au pire, les gens se feront leur avis. Si ça vous plaît, vous y allez. Si ça vous plaît pas, vous y allez pas. Je vais pas publier n'importe quoi, mais à partir du moment où une chaîne me paraît potable, je vois pas de raison de pas la diffuser. Si ça vous plaît, vous y allez. Si ça vous plaît pas, vous y allez pas.